Bonjour les amis, c'est Cyril. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Ça sera une vidéo tuto sur le mode GPS, parce que vous êtes nombreux à me demander une vidéo tuto sur le mode GPS. Donc vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Il n'y a rien de compliqué. Donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre pour être sûr que je ne vous perds pas en route. Voilà, donc là j'en ai pour 5-6 minutes à vous expliquer un petit peu le fonctionnement du mode GPS. Donc le mode GPS, pour l'activer, vous faites contrôle gauche de votre clavier avec la touche 0 du pavé numérique. Tac. Là, vous avez le mode GPS qui va se mettre en route. Donc là, normalement, il se met en route, il est comme ça. Vous n'avez pas le petit panneau qui vient d'apparaître à gauche, parce que moi, je viens de l'utiliser, donc c'est pour ça qu'il apparaît. Donc là, si vous voulez le faire apparaître, le petit panneau, vous faites contrôle supre. Donc c'est contrôle supre du pavé numérique, donc c'est le contrôle où il y a le point sur le pavé numérique, qui est juste à côté de la touche entrée. Vous faites contrôle supre, et là, vous allez avoir le premier affichage qui va apparaître. Et ensuite, là, vous rappuyez une deuxième fois sur contrôle supre, vous allez avoir le deuxième. Donc une fois que c'est fait, là vous allez avoir toutes les commandes du réglage du GPS. Voilà. Donc là c'est très simple. Moi la première chose que je fais déjà, donc pour avoir l'affichage de la souris que vous voyez là sur mon écran, dans le jeu, il faut rester appuyé sur la touche contrôle. Dès que je relâche, la souris disparaît. Donc vous appuyez sur la touche contrôle et là vous allez pouvoir cliquer tous les petits icônes sur le mode GPS. Donc la première chose qu'il faut faire, une fois que vous arrivez dans votre champ, une fois que vous êtes garé au bord de champ, vous faites New. Voilà. New, comme ça, lui, il va tout de suite définir à peu près, il va se mettre par rapport à votre tracteur, il va régler les lignes à peu près, grosso modo, par rapport à votre tracteur, automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut régler la largeur du GPS par rapport à votre outil. Donc ça va se trouver ici dans l'onglet Work With. Bon, désolé, mon anglais est pas très bon, j'ai jamais été bon en anglais. Donc là, vous avez une fonction automatique. Tac, donc là, il va régler directement. Attendez, je vais le dérégler, comme ça, vous allez voir vraiment la largeur qui va se régler automatiquement. Donc là, vous faites les réglages automatiques. Tac, et vous allez voir les lignes rouges, elles vont se mettre bord à bord par rapport à mon déchaumeur. Et ici, il va me mettre 14,50 m. Donc là, il s'est bien réglé par rapport à la largeur de mon outil. Par contre, moi, je vous préconise de régler votre GPS un petit peu moins large par rapport à la largeur de votre outil. Donc là, mon outil fait 14,50 m. Moi, en général, je mets 14 m. Comme ça, je suis sûr que mon déchaumeur sera bien sur l'autre partie. Parce que quand vous semez, c'est surtout avec le semoir, en fait. Des fois, quand vous avez des semoirs en mode, ils ne semment pas sur le bout du semoir. Et du coup, ça vous laisse une ligne qui n'est pas semée au milieu et c'est dégueulasse. Donc, c'est pour ça qu'il faut, si votre outil fait 6 mètres, vous vous mettez à 5,50 m ou vous réglez un petit peu moins large. Donc, une fois que j'ai fait ça, mon GPS, mon outil fait 14,50 m. Donc là, 13,90 m. Maintenant, il faut que je dise comment le régler. C'est-à-dire que mes lignes, parce que normalement, en exagérant, vos lignes, elles vont être comme ça. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être réglées par rapport à votre bord de champ. Là, vous imaginez que c'est le bord de champ. Donc là, on imagine que ça, c'est mon bord de champ. Donc moi, il faut que je lui dise, ben ouais, mais je suis d'accord, mais là, il faut que tu commences là vraiment au bord du champ. Donc là, ça va se trouver dans le course 7. Donc là, vous avez ces quatre flèches-là et ce petit truc à 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est pour changer le sens de rotation directement par rapport à l'axe de votre acteur. Donc vous voyez, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous avez ensuite les flèches ici. Donc là, c'est pour déplacer en fait tout l'ensemble. Donc soit à gauche, soit à droite. Donc là, moi, je vais me mettre comme ça ici, en chevauchant un petit peu à droite. Voilà. Ensuite, vous avez ces deux flèches là. Donc là, elles vont régler directement l'angle en fait par rapport à votre tracteur. Donc là, vous voyez, comme ça, tac, ou à gauche. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc là, ça c'est bon. Donc là, en gros, votre GPS est réglé. Déjà, vous pouvez travailler. Donc pour le mettre en route, c'est très facile. C'est les petites paraboles ici, actif-passif. Actif, donc là, vous avez le petit signal, c'est-à-dire que là, c'est mon GPS qui guide mon tracteur. Là, passif, c'est plus lui. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une touche. Moi, en général, moi, vu que j'ai une souris à plusieurs boutons, en fait, j'ai mis une touche sur ma souris pour faire actif-passif. C'est-à-dire que quand j'arrive au bout de champ, bah, je clique sur ma souris, tac, je rappuie pour le remettre en route. Voilà, ça, c'est le BABA, c'est la touche qu'il faut régler. Ensuite, ici, vous avez l'affichage du modeling. Donc là, je ne vois plus mes lignes, c'est barré. Là, je mets les lignes à ras du sol. Bon, le problème, c'est qu'on voit rien du tout. C'est pas joli. Donc moi, généralement, je les mets comme ça. Comme ça, quand je suis en vue intérieure, en fait, je vois bien la ligne verte de l'axe du GPS. Et c'est super facile. Donc là, votre GPS est réglé. Il est prêt à tourner, en fait.
Voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Là, vous avez le mode roue, en fait, ça permet de bloquer ou de bloquer votre direction, en fait. Si vous faites ça, votre direction, elle ne sert plus à rien, elle est bloquée par le GPS, vous ne pourrez plus tourner. Voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ces deux panels, vite fait. Moi, personnellement, celui-là, je ne l'utilise pas. Celui-là, je l'utilise surtout pour le labo, parce que c'est surtout pour ça qu'il est fait. Je vais me remettre en vue extérieure, comme ça on verra un petit peu mieux. Alors, le offset, c'est quoi? Le offset, c'est cette petite ligne bleue ici. Donc là, c'est une ligne qui vous permettra de travailler en fait votre tracteur décalé par rapport à l'axe de votre outil. Donc, ça, c'est utile si vous faites du fauchage avec une faucheuse conditionneuse, vous voulez dire que votre faucheuse va être à gauche, vous allez décaler votre tracteur. Et quand vous faites du labour, voilà, tout simplement. Donc là, vous réglez ce course 7. Donc vous pouvez le faire en automatique. Puis il va le régler automatiquement par rapport à votre outil. Voilà. Bon là, moi, il le bouge. Donc pour lui, il croit que j'en ai un, mais j'en ai pas besoin. Mais si vous avez une charrue ou une machine, une fois que vous avez déplié votre outil, vous faites auto et lui, il va régler automatiquement. Donc là, c'est automatique. Là, c'est pour déplacer votre ligne bleue, en fait, soit à gauche ou à droite de la ligne verte. Là, vous avez vu, le tracteur, il réagit tout de suite. Là, il sait que là, il faudrait que lui soit là, en fait. Donc là, c'est pour mettre de la droite ou à gauche. Ici, reset offset, c'est pour le remettre à zéro. Donc là, la ligne se remettra automatiquement sur le vert. Voilà, rien de plus compliqué. Ensuite, on a l'autorun. Alors, l'autorun, c'est quoi? L'autorun, il vous permet plusieurs fonctionnalités. C'est-à-dire que soit votre tracteur fait demi-tour en automatique au bout de champ, soit votre tracteur s'arrête. C'est-à-dire qu'il arrive à une distance donnée et à la fin de champ, tac, il s'arrête. Donc là, il est réglé en mode faire demi-tour. Moi, je l'utilise pas, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, c'est ici, c'est, je veux dire que je vais lui faire demi-tour en automatique. Donc soit je fais demi-tour à droite, soit je fais demi-tour à gauche. Et là, vous avez vu, il fera demi-tour à droite ou à gauche. Voilà. Ici, le plus ou moins, c'est pour régler la distance de fin de champ. Donc là, vous avez vu, ça produit un petit bip. Donc là, vous pouvez régler la distance en fait. Donc là, c'est la distance réglée et là, c'est la distance qu'il lui reste à parcourir en fait. Là, si je règle 1 mètre, c'est-à-dire que lui, il lui reste 43 mètres avant de faire demi-tour. Vous avez vu? Donc là, si je le mets, admettons, à 1,25 mètres, tac. Vous voyez, là, j'étais trop loin. En fait, si je fais ça, lui, il sait que là, il reste 30, dans 37 mètres, c'est-à-dire que dans 7 mètres 30, lui, il va commencer à faire son virage. Voilà. C'est juste ça. Ensuite, vous avez l'autre mode. Donc là, ce mode-là, donc là, lui, il fait pas de demi-tour. Il se débrouille. Il se débrouille pas. C'est vous qui faites le demi-tour, en fait. C'est vous qui gérez la rotation en fin de champ. Et vous avez ce mode-là. Donc là, le mode fin de champ, c'est-à-dire que là, votre GPS, il s'arrête. C'est-à-dire que là, à la distance donnée, en fait, là, vous voyez, dans 44 mètres, en fait, il s'arrête. Il attend. Et il attend que vous lui donnez l'ordre soit de faire demi-tour ou c'est vous qui faites demi-tour. Voilà. Donc là, ensuite, vous avez ce plus et ce moins-là. En fait, c'est le mode ligne. C'est ajouter une ligne libre, en fait. Donc là, vous voyez, là, je suis à 0. Là, je suis à 1, 2. Donc là, c'est tout simplement, il va sauter une ligne, en fait. C'est-à-dire que là, si je mets 1, mon GPS, eh ben, au lieu de travailler sur la ligne juste collée à celle-là, il décalera d'une ligne. Il sera à la ligne d'après. Donc voilà, eh ben, j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai été explicite. Bon, le sableau, je ne vous le montre pas. Hein, c'est pour se laisser faire des sauvegardes, mais ça, je ne vous le montre pas. Je l'utilise pas donc voilà. Donc vous rappelez, contrôle 0 pour l'afficher, pour mettre en route le GPS, donc contrôle 0 et contrôle sup pour afficher les menus. Voilà. Et après vous restez sur contrôle avec le clic souris pour afficher, pour avoir la souris, et après vous pouvez naviguer et faire les réglages que je vous ai expliqué. Et bien je vous souhaite une excellente journée à tous et à la prochaine. Allez, ciao!